Walk, little walk, small talk, big thoughts, gonna tell them all just what I want. That street, two streets, I see you and me. Hey, salut tout le monde, c'est Pixel Radio. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 9 de notre aventure sur le jeu Soldat Inconnu. Donc dans l'épisode précédent nous avons parcouru le bunker ennemi avec notre américain. Et puis après il s'est fait attaquer par un lance-flamme, enfin tout le blabla habituel, enfin ils ont l'habitude. Maintenant je pense qu'on va faire la même chose mais avec le français. Bonjour petit allemand assommé de tout à l'heure. Est-ce que je peux récupérer ce que j'ai... ce qu'il y avait tout à l'heure. Du coup... ah, je crois que je peux creuser le mur, là. Je suis pas sûr, mais j'ai l'impression qu'on peut creuser le mur. Voilà. Je me disais. On creuse ça bien, parce que YOLO... voilà. Si je passe par là... ah merde, non, 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 putain, mais moi j'ai le talent pour tout louper, quoi. Bon, c'est pas grave. On se dépêche. La porte est censée être cabossée à la base. Voilà, là elle est cabossée. Voilà, à quoi ça me sert, ça? C'est pas ce que je voulais faire. C'est pas ce que je voulais faire. Voilà, peut-être ça. Mais c'est pas... non mais... ils vont décéder. Là c'est bon. Recule, 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 recule. Ah putain. Eh mais c'est chaud. Eh, il faut s'en rendre à la compte que les gens, que c'est super chaud, hein. Allez. Allez. Je veux jouer. Là, on répare le tuyau. On va attendre qu'il tape la porte. Allez, glisse. Oh, c'est compliqué, sérieux. C'est compliqué, tout ça. Là, pareil, ça marche. Si ça marche, et bien sûr... le tank n'est plus là. Là. Voilà. C'est bon. Ah parce qu'il faut le faire plusieurs fois. Bon ben ils sont décédés hein. Là je pense que ça devrait suffire. Non. Un poil de cul de bite. Ah là 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 là. Ça m'énerve tellement que je tape avec ma pelle. Bon. Cette fois-ci, on le réussit, les gens. On ne se foire, point. Voilà. Ah mais c'est juste devant qu'il fallait le mettre et pas derrière. Oh là là, il s'échappera toujours hein.
Malgré l'explosion d'une partie du fort de Duomo, les Allemands réussirent à tenir leur position. La mission fut un échec. Mon Dieu. Voilà, chapitre 2 terminé déjà. Déjà ? Purée, il était rapide lui par contre, hein. Chapitre 3, désillusion. Ma chérie, la guerre vient de m'enlever un ami très cher. Et mon cœur pleure cette disparition qui m'affecte plus que je ne l'aurais cru. Karl est à l'abri du danger des tranchées. Sa santé s'améliore doucement. Je compte, dès que cela sera possible, demander une permission pour aller lui rendre visite. Et vous, comment allez-vous ? La situation s'est-elle améliorée à Saint-Mihiel ? Karl découvrait qu'il n'en était rien. À en croire la lettre qu'il venait de recevoir, son fils était gravement malade. Karl prit sa décision. Cette guerre ne finirait jamais. Il lui fallait s'échapper. Et on prend possession de Karl, donc le fils de notre héros. Donc j'ai besoin de Coupe-Boulon, qui est là-bas. D'accord. Est-ce que je peux y accéder par là? Il te faudra de la viande, d'accord. Donc je vais chercher à nourrir. Voici la priorité principale. Ok, donc... Là. Ok, donc en fait tout se passe ici. D'accord, donc il faut que je continue. En fait, j'avais pas vu que je pouvais continuer. Ah, nous sommes au camp de prisonniers du 8 mai 1916. D'accord, donc je suis comme ça, je peux me balader tranquille. Genre, je vous emmerde tous. Ok, là j'aurai un truc acheté, je pense. Alors, blablabla. Oh, j'ai récupéré quoi ? Carnet. Beaucoup de soldats ont des carnets dans lesquels ils écrivent leur journal. Leur mémoire, ces carnets ont permis, après la guerre, d'avoir des impressions réelles de l'horreur qu'ont vécu les soldats sur le front. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Ok, donc il faut que je t'apporte de l'eau, je suppose, pour que tu aies de quoi boire, enfin de quoi te laver en fait. Attends, d'abord on va mettre le tuyau en place, hein. Tout d'abord on va faire ça. Parce que là, si j'ai pas fini de faire du bricolage, si je sais pas où va l'eau, hein. Voilà. Et les mecs, sinon achetez-vous des plombiers, hein. Ça coûte pas cher, moi j'en ai marre, je suis pas plombier, moi je suis un prisonnier de guerre. Donc niquez vos mères, tranquillement. Alors... Tac. Mais en fait, il faudrait que je fasse pivoter. Non. Voilà. Ah. Voilà. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Ah, d'accord. Voilà. Tac. Et merde, putain, t'es sérieux? Et là, si on le fait pivoter ça... Voilà. Et maintenant, si tu vas chercher ton eau, techniquement, ça marche. Voilà. Je sais pas à quoi ça m'a servi, mais ça m'a récupéré des trucs. Qu'est-ce que j'ai récupéré d'ailleurs? Je sais pas ce que j'ai récupéré. Bon, c'est pas grave. Là. Oui. Et je peux pas monter. D'accord, je peux pas monter.
J'ai l'impression d'avoir récupéré des sortes de cordes ou je sais pas quoi. C'est bizarre. Ah non, c'est des bretelles que j'ai récupéré. J'ai récupéré des bretelles, d'accord. Là, bon, déjà on va récupérer le nourriture. Oh, me dis pas que j'ai besoin des bretelles pour. Oh, bah, tranquille du coup. Tranquille. Pas de passage secret. Mon camarade. Bon, mais je sais pas du tout quoi faire en fait. Hein. non, on va voir ce que j'ai là. Ah là 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 là. Je sais pas quoi faire. Peut-être faut des cisailles. Normalement on va continuer à explorer un peu donc du coup hein. Si je t'apporte les bretelles à toi qui dors là-bas, tu crois que je pourrais tu pourrais me faire monter l'échelle? Ah, j'ai récupéré un objet qu'il me faut. Oh, putain mais... Là on peut pas y aller. Franchement les gens parfois il y a des énigmes assez bizarres. Est-ce que j'aurais un truc à récupérer dans les chiottes? Ah mais non mais là je peux continuer. Je n'avais pas vu. Bonjour. T'aurais quelque chose à me dire. Toi t'as quelque chose à me dire. Vous avez rien à me dire? Bande de connards. Alors, là j'ai des slibards. Allez, lâche ce... Je veux récupérer mes bretelles. Allez, prends ça. Bon. Je comprends pas. C'est immense aussi, là. Tout ce qu'on a pour la mission, c'est... assez grand. Hey, mec, t'es gentil, mais... Ah, attendez! Les bretelles, il faudrait peut-être les mettre ici. Ouais, voilà, c'est ça. Allez, tu me donnes ta... Merci. Vous êtes cool. Vous êtes cool, les alliés, les Français, finalement. Parce que contre des bêtes, tu me donnes quand même une trousse de soins, genre tu te fais pas du tout niquer. Bon, c'est pas grave, allez. Attends, tu bois comme ça les trucs. C'est tout? J'ai récupéré juste un bandana. Te fous de ma gueule? Et non, il se fait savement engueuler.
Donc là, c'était juste pour récupérer les bretelles. Prends une petite douche. Voilà, c'est fait. Si je monte... Non, c'était juste pour l'eau, d'accord. Bon, bien, on continue. Me laisserais-tu rentrer cette fois-ci si je te donne, si tu me vois avec des, avec un bandana, mec? Oui, d'accord, ok. Le fait que j'ai un bandana, ça change tout, c'est ça? Alors, je crois que le chemin le plus court, c'est par là. Faut que j'aille au machin des saucisses. Voilà. Tiens. Déjà, je te prends ça. C'est quoi que j'ai récupéré? Boîte à biscuits, ok. Poc. Poc. C'est dégueulasse. Putain, on va donner ça à un chien, quoi. Il va presque mourir, le chien, si on lui donne ça. Enfin bref, tiens, prends ta putain de viande. Oh, il est dit, mec. Mais pourquoi, t'as dit? Ah, on va se... Oui. Qu'est-ce qui se passe? Ah d'accord, on va s'évader avec... Oh allez, mine, allez, 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 allez. Ah, Heine, dis-moi que c'est fait exprès. C'est fait exprès. Nickel. On notera l'animation qui est la même qu'au début du jeu. je joue aussi en... Et... D'accord, en fait lui c'était pour se vendre. J'avais dit des conneries en fait au début du jeu. J'avais dit que c'était à cause de... Ok, il me faut une batterie. Oh, donne-moi ça, donne-moi ça. Oh mais d'accord, c'est toi qui veux le mettre, hein, si tu veux. Ah, lumière. Fort de Doumont, 9 mai 1916, d'accord. Là, il y a un truc. Lampe électrique. On va prendre une dynamite parce qu'elle est à vue. Une épée? Ah non, c'est une baïonnette allemande. Ouais, enfin, ça peut toujours servir comme arme normalement. Mais là, c'est juste des objets à récupérer, donc on s'en servira jamais. Ok, donc ça m'a servi à rien.
Ok, donc j'ai compris. C'est pas ça qu'il fallait faire, comme par hasard. Putain. Je vais devoir monter à chaque fois que je fais ça, quoi. Ah mais attends. Bon, d'accord. Comment on récupère ça déjà avec espace? Voilà, tout simplement. Que demande le peuple, j'ai envie de vous dire. On va récupérer ça. À chaque fois, ça sert à rien, mais bon, on sait jamais. Si jamais, ça peut nous faire gagner du temps. C'est toujours ça de prix. Allez, juste pour le fun. C'est quoi ça? Ah non, c'est un objet complètement. Bon, on va s'arrêter là les gens parce que ça fait. Oh quoi que non, on va continuer un tout petit peu. Alors. Ah oh, c'est swag. Ok, non ben je voulais essayer d'ouvrir le truc mais on peut pas sortir donc voilà. Bon ben si en fait on pouvait sortir donc je vais chercher ce qu'il y avait dans le meuble. Et puis on va s'arrêter là, tout simplement. Tout simplement donc nous avons récupéré un rat crevé. Ok, bon ben les gens on va s'arrêter là. Donc sur ce les gens, moi je vous dis ciao tout le monde, c'était Pixel Razi, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert, ça me ferait grand plaisir de commenter, de liker, etc, etc, etc. Faites votre travail, j'ai envie de vous dire. Sur ce, moi je vous dis ciao tout le monde, c'était Pixel Razi. Don't stop, don't stop, don't stop.